Pas de temps à perdre après le lancement du projet Promotion du Tchoukbal et implication citoyenne en faveur de l'environnement et l'équité genre le 8 octobre 2022. Voilà qui justifie le déplacement des premiers responsables de la fédération de cette discipline dans la commune d'Aguagné-Vécis ce 15 octobre pour le début de la phase pratique du dit projet dans cette localité. L'idée derrière ce projet est non seulement de vulgariser la discipline auprès des populations surtout jeunes, mais aussi de sensibiliser cette cible sur l'importance de la protection de l'environnement en lien avec le sport. Il s'agit d'apporter les outils à la commune 6 d'Aguagné-Vécis qui pourront les permettre d'apprendre la pratique de la discipline qui est le tchoukbal et ensuite promouvoir la protection de l'environnement et aussi promouvoir également l'équité genre dans cette commune. Un lot de matériel a été remis à cet effet à la commune pour la mise en œuvre effective du projet. C'est une joie pour moi d'accueillir ce projet dans la commune d'Aguagné-Vécis. Je pense que cette nouvelle discipline permettra à nos jeunes de pouvoir s'épanouir. Plus d'une vingtaine de moniteurs seront formés en vue d'un meilleur encadrement des jeunes. Au total, 5 communes du Grand Lomé seront touchées par ce projet financé par le district autonome du Grand Lomé et l'Agence française de développement. Projet de 3 mois, il prend fin en décembre prochain avec un festival intercommunal.